on est très contente. La victoire a été difficile, mais on l'a fait tous ensemble et très fiers de mon équipe. Un match très intensif. Paris est une très bonne équipe avec beaucoup de qualité, mais on l'a fait au mental. Ça s'est joué à pas grand chose, mais en tout cas, on l'a fait. Travaille dur au quotidien pour pouvoir vivre des moments comme ça, donc c'est un plaisir et on espère encore gagner des titres avec cette équipe. On est ravis, c'est toujours un bonheur de remporter un titre voilà, qu'on souhaitait en début de saison. On a eu un parcours compliqué parce que depuis le début de la compétition, on n'a affronté que des D1, donc c'est bien de le boucler aussi par cette victoire. Face à Paris, il faut aussi mettre Paris à l'honneur, une belle équipe qui parfois dans le match nous a mis en difficulté. En tout cas, je pense que pour le public, c'était une belle finale, il y avait du suspense. On est ravis d'avoir gagné. Maintenant, voilà, on continue, il nous reste encore deux matchs avant la fin de la saison. Comme je disais avant le match, c'est souvent des matchs qui sont serrés. Après, on mène rapidement au score et on arrive à gagner 2-0. C'est dommage qu'on encaisse ce but sur pénalty, mais voilà, à 2-1, on a réussi à gérer le match. Et bon, après, il y a des faits de jeu à la fin du match qui ne sont pas en notre faveur. C'est dommage. On aurait pu être plus sereine sur la fin de match. Mais le plus important, c'est d'avoir tenu et puis d'avoir gagné. Donc, non, on est quand même contente aujourd'hui. C'est une belle victoire et puis une médaille de plus, un trophée de plus qu'on ramène. Et puis en plus c'était bien aussi par rapport au président de gagner ce trophée, donc non, on est contente. C'est aussi ça le football, vivre ces émotions-là, les émotions de la victoire mais aussi le partage. Et ce soir c'était l'opportunité pour nous de rendre hommage au président Jean-Michel Aulas, et le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre c'est cette victoire. On sait combien il est attaché à son équipe féminine. Il restera gravé dans notre cœur. C'est grâce à lui qu'on en est là aujourd'hui et ce trophée, il est pour lui. Notre président, qu'on aime tant, ça faisait 36 ans qu'il était au club et vraiment, il sera à jamais dans notre cœur. Et voilà, c'est notre président, on l'aime et on va essayer de tout gagner pour lui.